Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 54, et je me suis trompé d'habitude, super. L'épisode 54 du Let Me Play, voilà, merci, merci, merci. C'est un bonjour que je vais vous faire évidemment. Ça m'arrive souvent de me planter, je ne sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui on va continuer les quêtes, mais pas du tout celle de Bérangère là avec les octocornes, non, on n'a pas le niveau. Du coup, on va aller voir. Alors donc vous voyez qu'on a presque tout fait là. Donc les quêtes histoires qu'on a, c'est en réticent, le maire Dracocardi semble avoir un autre service à vous demander et c'est tout. Après c'est tout hein, et dernière on peut pas accepter. Voilà. Donc direction Dracocardis. Aujourd'hui ce sera les quêtes du jour. Tac. Du coup on avait déjà sauvé sa fille Charlène, enfin sauvé. On avait déjà retrouvé ça. Pourquoi je vais à l'église moi, j'ai un problème. On avait déjà aidé sa fille Charlène, du coup là cette fois-ci il faut qu'on l'aide pour autre chose. Bonjour Silver, comment ça va? Merci de m'avoir aidé à retrouver Charlène l'autre jour, voilà. En fait, je suis désolé de te parler de ça, mais j'aimerais que tu m'aides pour autre chose. Comme tu le sais, nous dracocardiens, nous étions censés garder le canyon, mais au fil du temps, nous avons oublié notre devoir. C'est pourquoi j'ai décidé de faire graver sur une grosse pierre un message le rappelant. J'ai donc demandé au chroniqueur de Kilimakbaro de venir, mais il a plusieurs jours de retard. Alors je me demandais, tu pourrais aller à Kilimakbaro et l'escorter jusqu'ici? Oui. Bravo, champion, je savais que tu y arriverais. Et voilà, c'est tout. Rien de plus. Lui il est direct, c'est bien, ça c'est cool. Donc, allons à Dracocardis. À Kilimakbaro, excusez-moi. Donc ce con il est à l'auberge. Hein. Regardez-le. Oh Serene. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Oui, je suis le chroniqueur d'Histoire de Dragon 1. Tu viens pour m'emmener à Dracocardis? Désolé, je me suis foulé la cheville en montant au pas au EOE et depuis, je suis dans un drôle d'état. Je ne suis même pas rendu compte que j'étais en retard. On ne peut vraiment pas compter sur moi. Eh ben bravo. Mais avec cette cheville, je ne peux aller nulle part. Attends, tu aurais de la lunaria, de l'agressance et un foulard de pionnier? Je crois que j'ai tout. Si je me souviens bien, je peux m'en servir pour me confectionner une compresse qui me rétablira en rien de temps. J'ai pas tout ça. Tu te fous de moi? J'ai pas de lunaria. C'est ça? Parce que agressance, j'en ai forcément. Non? J'ai pas d'agressance? Si, j'en ai une, voilà. Agressance, j'ai. Et. Foulard, je dois sûrement en avoir. Il me manque juste la lunaria. C'est un peu relou. Est-ce qu'il n'y en aurait pas au magasin histoire que je retourne pas à Abyssia pour rien? Ça m'étonnerait qu'il y en ait dans le magasin, mais on sait jamais. Je suis jamais allé dans ce magasin. Non. Il n'y a rien. Alors, M. Bandicinal, on va en acheter plein d'ailleurs. Remède puissant, c'est bon. Potriche, j'en ai encore 20. Ça va. Du coup, faut que je retourne à Abyssia juste pour m'alchimiser la lunaria, c'est très con. Dommage qu'elle soit pas portable la marmite d'alchimie. Comme sur DQ11 là. Ce serait cool. Enfin bon. Lunaria. Voilà, retournons le voir et c'est tout. Hein. C'était juste ça, hein. Rien de plus. Thank you.
Donc voilà, oui, tiens, je vais te donner ça. Prends ça. Allez, ma jolie, maintenant tu mélanges ces deux trucs-là. Tu masses un peu et tu attaches bien ça avec ça et ça va beaucoup mieux. Voyons que c'est rapide. Je suis prêt, ce pansement a fait des miracles sur ma hanche. Ce doit être des substances secrètes. C'est Serena qui m'a dit comment le préparer. Je l'ai rencontrée en gravissant cette montagne. Si elle ne m'avait pas aidé, je me serais fait boulotter par des monstres. Elle m'a dit qu'elle cherchait les larmes d'un tonnerre, comme cette fille dans la chanson. Si, vous savez. Enfin, je veux la retrouver et la remercier avant de partir pour Dracocardie, ça me paraît normal, non? Elle m'a dit qu'elle partait pour le sommet du Paoéoé, si je me souviens bien. Désolé, mais il faut être gentil avec ceux qui sont gentils avec vous, pas vrai? Je reviens. Ça marche. Bah écoutez, on va aller le voir, hein. Et évidemment, je me suis planté. J'ai appuyé sur A une fois de trop. Alors. Ah, c'est vous. Désolé, vous m'avez suivi jusqu'ici. Je n'ai pas pu retrouver Serena. J'imagine qu'on n'a peut-être pas visité toutes les grottes. Elle était bizarre, elle avait des habits bleus, elle ne faisait que parler des larmes de tonnerre comme la fille dans la chanson. Elle est à tomber cette chanson, comme vous avez fait tout seulement jusqu'ici, je vais vous la chanter et écouter. Alors, ainsi dit à la bête, la dame vêtue de bleu, versée et mis une larme en ce flacon. La bête souriante répondit sans façon, jamais de la vie, larme n'a coulé de mes yeux. C'est une très vieille chanson remontant au temps où cette fille est venue voir le vieux Grésius. Ah, je voulais vraiment revoir cette Serena. Tant pis, je ne peux rien y faire. Si on se revoit, ce sera le destin. J'ai autre chose à faire en attendant. Désolé de vous balader comme ça. On rentre à Dracocardis, d'accord? Oui. Alors, en gros, il y aurait Serena dans le coin, mais du coup, sous quelle forme serait revenue? Telle est la question. Nous y voilà enfin, Dracocardis, merci beaucoup de votre aide, je passe devant et je vais voir le maire, on se voit tout à l'heure. Et j'ai un problème, je veux tout le temps aller à l'église moi. Alors voilà. Oh bonjour Silver, merci une fois de m'avoir fait venir votre chroniqueur. Bon sang, si je t'étais davantage redevable, il faudrait que je vende ma maison. En tout cas, je ne sais pas si ce serait une voiture, mais accepte aussi en témoignage de ma gratitude. Feuille d'arasile. Pas mal. Peut mieux faire, mais pas mal. Tu as entendu parler de ce dragon lion qui était censé vivre dans une tour quelque part au nord, à Tonnerre, c'est ça? Ouais, je vois, je vois, je vois. Alors donc, allons à Finefleur maintenant pour la quête suivante. Ah non, c'est pas du tout à Finefleur, c'est à Wadi. Excusez-moi. Non, si. C'est à Finefleur et après faut aller à Wadi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça me revient. Ah, des touristes, vous tombez à pic. Mon mari n'avait pas le cran nécessaire pour diriger la ville, alors j'ai pris son poste. Quel coup d'état! Et j'ai bien eu raison, le pays des fleurs fleurit et il s'épanouit, l'argent entre les fois. Oula. Mais peu importe, j'aimerais vous parler d'autre chose. Nous avons eu de la visite il n'y a pas longtemps, une jeune fille qui cherchait une larme de tonnerre. Elle s'appelait Serena, si je me souviens bien. Je lui ai dit que je ne comprenais pas de quoi elle parlait, elle est partie. Mais depuis, je me demande bien ce que sont les larmes de tonnerre. Enfin, avec un nom pareil sur la tête de magnifiques pierres précieuses ou quelque chose dans le genre. Donc je me demandais, pourriez-vous aller à Wadi pour voir si vous pouvez en racheter une à un bijoutier? Ouais. Donc voilà, faut aller à Wadi, comme je l'avais dit. Et ça rime. Mais.
J'ai un problème dans le... Ah, maîtriser le menu aujourd'hui. C'est lui, le marchand, je suis le négociant numéro 1 en pierre précieuse de tout Asie. Tu cherches une larme de bête légendaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? On appelle ça une larme de dragon. Tu es de toute évidence un grand connaisseur en pierre précieuse. Pour en chercher une aussi belle, mon ami. J'ai une idée, tu es un voyageur, n'est-ce pas? Alors imagine, tu possèdes de nombreuses cartes au trésor. Faisons marcher, tu sais ce qu'un joyau royal, j'imagine. C'est une pierre très précieuse située dans un antre de plus de 8 niveaux contenant de la peur dans son nom. Je se trouve au plus profond du donjon, peut-être même dans les mains du gardien de la grotte. Ouais, ok. Pardon, je parle vite, mais voilà. Flemme de tout lire. Donc. Où est mon antre? C'est celui-là, crypte de graphite de la peur. Qui est au-dessus, au niveau de l'abbaye. Ah, ça me gratte. Pardon. Alors, abbaye d'évocation. Ça se trouve, c'est là où il y a des octocornes. Et oui, évidemment, du coup, il y a Bérangère qui va me... Bonjour, Sylvain, désolé, t'as fait attendre. On dirait bien que ce sont les ruines dont le roi parlait. Trouvons ces octocornes et montrons-leur de ce dont on est capable, d'accord? Si on n'en trouve pas, il faudra peut-être chercher une autre grotte située dans les ruines et aller les chercher. Oui, mais non, en fait, on va pas faire ça à Bérangère. Hein. Parce que là, je suis pas très chaud, je t'avoue. Il manque un peu de... Oh, mauvais chemin... Oh genre sérieux, il s'est pas bloqué au mur. Ça commence. Très clairement, je ne peux pas me faire les octocornes, je n'ai pas assez de dégâts en fait. Enfin, je pourrais, mais ça prendrait pas mal de temps quoi. Droite. Je crois que je peux avoir des glands de mercure à ce niveau. Mais bon, c'est pas non plus très intéressant. Les glands de mercure, ils te font plus trop level up. Pierre de sorcier, c'est très bien ça. Là, je vais pas encore avoir les octocornes, sera niveau 9. Je pensais qu'il allait pas me voir, enfin que j'allais m'arrêter au bon moment, mais je me suis arrêté un tout petit peu trop tard, du coup il a eu le temps de me voir. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon ça part sur un one shot. Hein. Peut-être que Shadow va bientôt develop 43. Parce que l'artiste martial ça XP très très vite. Médaille. Alors, est-ce que je pense à... Je sais pas du tout par où c'est. J'espère que c'était pas à gauche.
Oh, ça va, ça se rejoint de toute façon, et c'était à gauche quand même. On passe, on passe. On se faufile. Alors donc, on peut tenter, on va voir un petit peu les octocornes. Bon, je promets rien, mais je pense qu'on peut pas se les faire. Enfin, peut-être qu'on peut se les faire, mais ça va être dur, quoi. Brise casque, attaque du faucon, super élec. Minerine. Oh! Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh non, toi tu me laisses tranquille. Ah, je suis con. Je suis trop con. Oh non! Oh, je l'ai pris! Oh, je l'ai pris! Oh, je l'ai. Je suis un génie. Je suis un putain de génie. Je l'ai brain. As fuck. Brained. Get brained. Bon, est-ce qu'on se tente ou pas un octocorne? On peut essayer juste voir ce que ça donne. Ou encore que j'en trouve un. À moins que. Non, c'est forcément à ce niveau les octos. Ah non, j'ai rien là. Ah non, ça doit pas être là. Les octocornes, non, non, non. Je confonds avec un autre antre. Non, c'est pas possible qu'il soit là. Non, c'est genre. Ils sont pas là, c'est un antre ruine, du coup. Oh non, un imita peur. Ça, c'est pas cool. Ça va être un petit peu plus compliqué comme combat déjà. Je pense. Quoique, non, j'ai des dégâts avec Shadow, c'est vrai. Ah, ça, c'est chiant. Ça va. 142, ok. Ok. Ça va, je le tue en un tour. Il va me donner quoi? Mini médaille, nice. Qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Oui, voilà, en gros, c'est peut-être pas des antres. Enfin, c'est un antre ruine, du coup, ça enclenche la cinématique où Bérangère dit oui, allons chasser des octocornes, sauf qu'en fait, il n'y en a pas. Voilà. En gros, tout ce que j'avais à dire. Ah, encore un truc. Est-ce qu'il y aura un imitateur à nouveau? Non. Flamme d'Héphaïstos. Ça va, j'ai drop intéressant. Enfin, des trucs qui m'intéressent. J'attends que ça spawn. Tac, voilà. Comme ça, je suis tranquille ici. Voilà. Hop. Et donc le boss c'est Grévanescent tout simplement, je suis full HP, c'est qui déjà qui l'a baissé? Et qui l'a... Ok. Faudrait que je chope un antre un peu plus haut niveau. Je vais tenter d'utiliser les save states, faut que j'y pense à la fin du fight. Mais c'est vrai que du coup c'est. Ça sert à rien de faire l'ABC. Parce que je n'ai pas de. Il n'a pas de faiblesse ce con. Miroir magique c'est mieux. Qu'est-ce que je peux faire sinon? Miroir magique. C'est un peu violent quand il fait tension plus méga flamme. C'est un peu violent ça, monsieur. Et j'ai pas de dégâts. Ah ouais, non, par contre, faut arrêter là. Ah, c'est bien, il y a attention, du coup, ça va faire un peu mal. Mais putain, par contre, sérieux, faut qu'il se calme là.
faire un soin avancé sur Silver. J'arrive pas à faire baisser sa défense, c'est casse-couille. Ah non, par contre, si tu refais une méga flamme sur. Oh putain, c'est pas possible! Mais non, mais. Oh mon, arrête! De te foutre de moi! Je pourrais baisser sa défense aussi, ce serait bien. Enfin, j'aimerais bien, personnellement. J'ai pas encore résurrection, évidemment. Quoi? 109? D'accord. Ça marche, hein. Oh putain. J'en ai marre. Je devrais ressusciter Silver en fait en premier parce que, genre vraiment. Mais il fait que des ravages tout le temps. Il est vénère là aujourd'hui. Yes, une joie, franchement une joie. Oh non, le mur qui disparaît, c'est terrible. Ah là là. Ah ça y est. Évidemment, le mur de lumière disparaît. Histoire que je me fasse bien défoncer. Multi-soin. Le miroir magique, je veux dire. J'ai bien fait, hein. Qu'est-ce que j'ai bien fait, mon dieu. Magique, rappel, et on va retaper. Ah bah yes, bah coup dur pour Mizora qui n'a pas pu être ressuscité. Alors du coup on va sauvegarder un petit slot de sauvegarde. Ah voilà, niveau 43 de shadow, ça je m'en doutais un peu. Ouais, ok, on sauvegarde là. C'est le moment où il faut sauvegarder. Tac. On va faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'alarme de Joyeux Royal. Mais je crois que ça marche pas, il me semble. Faut mieux que je gère la sauvegarde avant. Alors. Ok, 41. On va faire un peu plus tard. Faudrait du niveau 50 ou plus là. Ok. C'est le moment manipulation, abus, triche. Ok. Oh, pff, rien que niveau 25. Niveau 33, c'est pas ouf, hein. Bon, ça va. Bah, on est sur du niveau 42 là, donc c'est pas ouf. C'est pas ce qu'on veut.
Niveau 45. C'est un lac, c'est pas mal ça. Après cuivre. Cuivre, c'est pas assez. Ah, dommage, je pourrais avoir des regluants, mais. Regluants de métal. Pff, voilà. J'ai envie de le tester celui-là. On va juste regarder vite fait quel niveau il a en monstre. Alors, lac de cuivre, ça c'est à. Bah, c'est à. Plicata. Plicata, n'importe quoi. Potondi. Pontaudi. Je veux juste check ça. Y a moyen que ce soit un truc pas dégueu, mais bon. Ici. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que ça. Attends, ouais, je suis où là? Je suis trop bas? Attends, est-ce que j'ai spawn? Ah oui, j'ai spawn. Attends. What? Ah non, j'ai spawn trop là. Je crois. Ouais, je spawn un peu trop. C'est par là. Tac. Là. Par là. Alors, quel niveau les monstres? Si c'est pas un. C'est un niveau vraiment dégueulasse. Squelette noir. Oh, Abyssosaur! Non, c'est un bon niveau ça. C'est le niveau. C'est. Attendez, je vérifie ça. Permettez que j'aille sur l'internet, hein, comme disent les personnes d'âge plutôt élevé. Non, pire, vous savez quoi? On va tout simplement utiliser les. On se dire le gros taux de search du de l'antre. Alors, quel est cet antre? Voyons voir quel est cet antre. Carte au trésor. Lac de cuivre de la peur, niveau 45, ça marche. Donc Copper Lake of Fear. Yes. Level 45. Type water search. Ok. So. Donc, c'est lequel? C'est la location. Que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que c'est bien la 28? Oui. Ok. C'est la 28. Alors, le boss est à chier, hein, évidemment. Report. On va aller sur le report. Monsters. On est sur quoi? Est-ce qu'on est sur du. Attendez, quoi? Attends. J'ai mal compris là. Troc. Oh! Ah oui, non, en fait, on est vraiment très bas. Mais non, mais c'est pas possible, attendez. Ah non, mais non, évidemment, on est sur un mauvais truc. Water, voilà. Et donc, on est. Ah, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Bon, dommage. Dommage, dommage, dommage. Du coup, on va reroll, hein, tout simplement. Je vais retourner en arrière. Tac, voilà. Tout simplement. Hein. C'était ce que je voulais voir, mais bon. Il n'y avait rien d'intéressant. Marais de cuve de la peur. Bon, ça va être encore plus nul, ça.
fosse de bronze. Ah, c'est du niveau 35, c'est trop faible, c'est trop faible. Pourtant, c'est bien, c'est une fosse. Fosse, c'est glace. Donc en soi, c'était pas mal, mais. Dommage. Alors. Repère de fer de l'incertitude, c'est nul. Qu'on va voir. Crypte de bronze de la détresse. Crypte de bronze de la détresse. Alors je ne sais pas ce que ça peut être ça. Inspectons. Vite fait. Alors donc. C'est quoi le truc de l'antre déjà? Crypte de bronze de la détresse niveau 46, ok. Donc bronze, voilà, bronze. Crypte, bah c'est crypte. Attends, je crois. Des fois il y a des incertitudes. Et de la détresse, du coup, bah ça c'est. Ouais. Enfin, tunnel de granit de la détresse, c'est granite tunnel of woe. Donc là, oh, pareil. Et niveau 46, ça, ouais. Et on va chercher. Ah d'accord, bon, en fait il y en a. Il y en a un peu beaucoup. Voire même énormément. Waouh. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, il y a 20 cartes quand même. 20 cartes avec ce nom-là, hein, je tiens à dire. Donc, hein. C'est quand même dingue. Bon, je cherche encore un petit peu et puis après on laisse. J'aimerais bien avoir un peu plus haut niveau, genre. Je sais pas, 50. Je pense que c'est possible, hein. Oh, pff, niveau 20, ouais, quand même niveau 25, c'est quand même très faible, hein. Quand tu passes de 25 à 50. Je sais pas de combien de niveaux elle est la fourchette. J'ai des sacrés trucs, hein. Allez. Crypte de cuivre de l'affliction. Ça va juste faire beaucoup des tâches, ça. Bon, écoutez. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je voulais sortir, mais bon. Écoute, tant pis, pas de carte pour l'instant, on manque un peu de niveau là. Tac. Voilà, alors donc du coup on va aller voir le mec. Peut-être ressusciter aussi Mizora hein, avec un petit soigner tous. Je crois que normalement ça marche avec soigner tous. Ah non, elle s'en bat les couilles. Ça marche. C'était quand même pas compliqué. Hein. Hop. Voilà, et la petite cinématique.
Boum. Oh, pardon, désolé, je ne t'avais pas vu. Je suis vraiment pressé. Toi aussi, tu voyages, je recherche la lame d'un tonnerre, mais je n'arrive pas à la trouver. Même sans elle, je vais devoir demander à Tonnerre de m'amener là-bas. Sinon, nous arriverons trop tard. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je réfléchis. Que signifie tant de grossièreté? Depuis quand les jeunes filles se paient-elles la tête des honnêtes commerçants? Oh pauvre de moi, une voyageuse vient me persuader que cette larme de dragon n'avait rien à voir avec la bête légendaire. Pourtant, je jure sur mon âme que c'est bien l'objet habituellement connu sous le nom de larme du dragon. Que dire de plus? Mais pardonne-moi, je t'en prie, il faut que je me reprenne. Alors, tes recherches ont-elles avancé? As-tu mis la main sur un joyau royal? Oui, quand même. Et bah ben voilà, la lame de dragon. L'arme de dragon, pas lame. Ok, je m'en fous de la pierre, hein. Genre vraiment, je m'en fous. Donc, tac. Je bois un coup. Donc, la mer, c'est par là. L'arme d'un tonnerre, l'arme d'un tonnerre. Ah, quel mot doux et relaxant, ce doit être une pierre absolument merveilleuse. J'ai conscience que là, cela vous coûte une coquette somme, mais je vous récompenserai à la mesure de vos efforts, je vous le promets. Eh bah tiens. Ciel, quel, c'est aussi stupéfiant que je l'imaginais. Une larme de dragon, c'est bien cela? Merveilleux, tout simplement merveilleux, j'en suis déjà terriblement éprise. Tenez voici votre récompense. Un lingot d'or, ah ouais! Ah ouais! Elle me donne un lingot d'or. J'avais oublié la récompense. Avec elle, j'avais vraiment oublié la récompense. Bon. Eh bien écoutez, il reste une seule quête, hein? Vous savez sans doute laquelle c'est. Quête un peu longue, en vrai ça va. Je pense que j'ai le temps de la terminer là en 20 minutes. Je pense. Après c'est vrai qu'il faut bien que je fouille toute la zone parce que j'y suis jamais allé. Alors il y a du mithril aussi. Dans cette zone, je sais plus où est-ce qu'il est planqué le mithril. Je sais qu'il y en a quelque part. Il est jamais, enfin, il est affiché sur très peu de cartes, mais en tout cas, il y en a vraiment. Enfin, à ce qui paraît. Il y a plusieurs sur le serveur des Kneufs qui m'ont dit qu'il y en avait, donc faut vérifier cela. Hein. À moins que ce soit dans le petit trou. Ah non, c'est là. Ok. Voilà. Tout simplement ici. Et ici, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. C'est un truc qui sert à rien ou c'est une zone. Ah si, il y a quelque chose là. Ok. Ah oui, les idoles de Boria. Quête que je ne peux pas faire du coup. Enfin, je pourrais avec des cheats quoi. Mais j'ai pas envie de casser mon jeu avec des cheats. Du moins pas pour l'instant. C'est dans la tour de Latonie. Bonjour et bienvenue à la tour de Latonie. Fief du puissant Atonel. Je sais pas comment un gluant peut parler, genre franchement c'est compliqué. Il hein. Faudrait que je. En vrai il parle en faisant des glouc glouc mais. Pff, ouais non c'est bizarre.
On va parler normalement, hein. Un tonnerre au pied au sommet de la tour depuis 300 ans. Il est assez effrayant comme ça, mais dans le fond, c'est un tendre. Et une fois qu'il dort, impossible de le réveiller. Il y a plusieurs années, il avait sympathisé avec une fille qui passait tout son temps avec ce célestélien. Ça l'avait vraiment inquiété. Et il avait raison, quelque chose de terrible s'est produit. Comme il s'y attendait. Mais comme il ne voulait pas qu'elle court de danger, il l'avait menée ici, à la tour. Tu vois, c'est un grand tendre. Mais, oh, mais je m'égare. Écoute, je suis mort d'inquiétude à son sujet. Il faut que quelqu'un aille le réveiller, sûr. Tu as l'air d'être habitué aux missions délicates. Peux-tu prendre le temps de m'emmener en haut de la tour? Oui. Bien sûr. Ça va prendre 3 ans. Mais à part ça, voilà. Donc, il n'y a rien hein, ici pour l'instant. C'est les étages suivants où il faudra fouiller. Coffre ici déjà, mini médaille. Machine à tuer, non, non, non. S'il vous plaît. Ouais, c'était un peu dangereux de faire ça. Hache du mal, attends, acharnement, c'est quoi? Critique qui frappe un seul ennemi, mais what? Attends, c'est genre vraiment un coup critique comme ça? Non. Pourquoi cette aptitude n'est pas connue alors? Pas normal. Là, je suis un peu étonné. C'est une espèce de critique systématique en fait. Voyons voir c'est quoi ce truc. Ah non, c'est pas du tout un coup critique. Ça marche. C'est juste une attaque stylée comme ça, mais bon bref. Osef. Et il y avait rien ici. Super, bravo Silver. Tu ne connais pas tes donjons. Ah, lui il va me faire chier. Ah oui, ok. Oh, ça va être chiant dans cette tour là. Je vais me faire attaquer en permanence. Qu'est-ce que ça va être chiant? J'aime bien, c'est la machine à tuer qui recule pour remettre une autre attaque, tu sais, en mode prendre l'élan. Donc. Là, et là on va par là pour prendre le coffre. Coffre très important. C'est une graine de défense. Je vais me faire attaquer. Oh, sérieux? Sérieusement, elle m'a vu. Quel abus. Belle esquive. Mince, faut que je monte. Oh là là, j'y arrive pas. Allez, c'est le premier étage, hein. Vous en faites pas. C'était le plus dur, c'est faux. Bon, celui-là est easy. Évidemment, il n'y a rien d'ailleurs, je crois. Je crois qu'à cet étage, il n'y a rien du tout. Je check quand même en faisant le tour, mais je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, genre, sérieux, ça me fait
redescendre ça. Il faut bien contourner les escaliers. Tac, comme ça. Alors. Donc là, pas le choix. On avance pour l'instant. Il y a un... Non, il n'y a même pas de coffre ici. Il n'y a rien pour l'instant. Okay. Ici, c'est un peu grand. Enfin, attends. Il n'y a pas de coffre. Juste des jarres, mais on prend quand même. Surtout quand il y a une mini médaille dedans. Et un morceau de lave. Parfait. Tac. Et on peut redescendre ici pour aller chercher un coffre. Très sympathique. C'est un coffre bleu en fait. 1000 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est un coffre genre god tier. Comment je peux m'en sortir là? Je ne peux pas. Et j'ai volé des clous de fer. Trop fort quoi. Je sais plus combien il y a de niveaux exactement dans cette tour. Oh, il n'y avait pas de coffre ici. Coup dur. Tu me vois toi, voilà, comme ça je peux passer après. Oh non, c'est un cul-de-sac. Comment je fais? Faudrait qu'elle me voie la machine à tuer là. Ok, non, faire comme ça. Où est-ce qu'elle est? Je passe là, hop. Mais ici c'est la bonne sortie je crois. Quoique non, peut-être pas. Mais ici c'est juste un truc pour... Attendez, je sais plus. Est-ce que c'est la bonne issue? Ah oui, ok. Il y avait un coffre, je crois, ici. Non? Il n'y a pas de coffre. Il y a juste un là, ok. Mini-médaille, elle est où la robe? Où est passée la robe? Ah, il y a peut-être aussi ici. Non, ici il n'y a rien. Ah, si, il y a le petit coffre là, mais c'est tout. Fiole de magique, c'est pas terrible. Est-ce que je passe? Je pense pas. On va attendre qu'il bouge. Hein. Voilà. Tout simplement. Ne pas se casser la tête. Alors, ouais, on arrive à la fin là. Faut pas que je rate les derniers trésors qui sont quand même très importants. Surtout celui-là. Hein. Ces deux-là sont plutôt pas mal. On a un chronocrystal. Alors c'est bien quoi, c'est sympa. Et une robe cauchemardesque. Enfin voilà quoi. Clairement. Oh putain. Deux statues. Ah non, connard. Pardon, c'est un gardien. Du coup, faut que je dise un truc masculin. Bon, connard, voilà. Tac, au revoir. Bon, pour les petits combats comme ça, j'ai un peu la flemme de passer sur l'autre écran. Vous m'en excuserez. Est-ce qu'il y a autre chose là? Il y a un petit coffre bleu, mais je pense que c'est un piège. Non, c'est un sous-doisy. Chaud. J'ai failli passer, mais non. Est-ce que je peux fuir? Je peux pas fuir. Je vais quand même essayer de fuir, parce que j'ai la flemme de taper des corps des rhinocéros là. Et on y est, hein. C'est tout. On a un peu tout fait. Donc il faut monter, monter, monter. Et puis. Puis voilà. Hein.
Enfin, nous sommes arrivés au sommet de la tour, bravo! À tonnerre! À tonnerre! Réveille-toi, allez debout! Pourquoi tu ne te réveilles pas? Ah, s'il dort, il dort. C'est inutile, je suis désolé, on dirait qu'on perd notre temps, bah oui. La dernière fois qu'il est allé quelque part avant de se rendormir, c'était au palais de l'enfer. Il était parti avec cette fille. Quand il est revenu, il était tout seul et il avait l'air différent. S'il te plaît, il faut que tu parviennes à réveiller à tonnerre. Il a dû se passer quelque chose au palais de l'enfer. Si tu y vas, tu pourras peut-être trouver quelque chose pour l'aider. Donc voilà, hein, faudra se retaper tout le donjon. Hein, c'est toujours un bonheur. Hein. Toujours un plaisir, Kem. Donc hein, c'est pas au palais de l'enfer qu'il faut aller, mais carrément aux oubliettes. Hein, et pas au premier étage, hein, très clairement. Si, quoique. Il y a du... Ouais, il y a déjà quand même des cinématiques ici, mais bon. Cela s'est passé il y a très longtemps, le jour où le grand empire que l'enfer est tombé. Une jeune femme en bleu est venue sur un horrible dragon en disant qu'elle était là pour aider un type avec des ailes. J'ai dû rêver, mais j'aurais juré que c'était la même fille qui vient de passer en allant vers les cellules. Voilà. Donc les cellules, hein, les oubliettes, donc... Faut aller jusqu'aux oubliettes. Donc on va là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, cela doit bien faire 300 ans. Nous avons ouvert la porte des cellules pour une jolie jeune fille. Nous avons travaillé ensemble, nous tous, pour cette fille et son amie ailée. Nous sommes morts pour cela, mais je ne le regrette pas. Je suis heureux d'être mort en faisant le bien. Mais qui est cette jeune fille qui est passée il y a peu? Il faut descendre. Hein. Je crois que c'est au quatrième étage, il me semble. Un truc du genre. Est-ce que je lui ai parlé à lui? Il me semble que non. Oh, sérieux, je passe pas. Putain, ils sont gros eux. Il y a 3 siècles, une jeune femme accompagnée d'un monstre puissant fut tuée par des soldats impériaux juste à côté. En voyant cela, son ami le monstre, une sorte de dragon appelé au tonnerre, versa une unique larme d'une tristesse infinie. Sitôt versée, cette larme se transforma miraculeusement en bijou magique, incroyablement puissant, larme de tonnerre. Le pouvoir de cette larme entraîna la libération de l'énergie magique dangereuse qu'avait emmagasiné un vieil être ailé. Ah, c'est comme ça qu'il a récupéré ses pouvoirs, Corvus, ok. Mais il était trop tard, son cœur avait déjà été submergé par la haine et le ressentiment, donc c'est comme ça après qu'il a été libéré, Corvus, et qu'il a pété un câble. Il créa ainsi une onde de choc magique et tua tout le monde dans le palais et transforma la région en un désert sans vie, d'accord. Ok. Comme ça que l'empire Clanfer est tombé, par la colère de Corvus. Donc on va là, laissez-moi. Je passe là, non, je crois. Ouais. Donc niveau moins 4, je disais, hein, c'est par ici. Cinématique, je crois. Je sais pas si ouais, c'est un flashback, quand même. Ah, tonnerre, c'est toi? Je suis désolé. Tu as été blessé, toi aussi? Si j'avais pu trouver cette larme d'atonnerre, j'aurais pu soulager Corvus et il aurait laissé échapper un peu de son fardeau.
Attends-moi, Corvus, même si je meurs, je te sauverai. Qu'importe le temps, qu'importe la façon, qu'importe tout, je te retrouverai. Même si cela doit me prendre 100 ans, 1000 ans, peu importe. Du coup, elle n'est pas morte par les soldats? Ça qui n'a pas de sens. Ne dis pas n'importe quoi, lorsque les humains meurent, ils ne reviennent pas. Reprends-toi un peu. Allez, viens, monte. Qu'est-ce qu'il y a? Debout, petite. Ouvre les yeux. Pourquoi tu fais tout ce chemin pour... Tu ne dois pas mourir, petite. Nous devons... Nous... Serena! Ah, Serena, ouvre les yeux. Il se met à pleurer. Voilà, l'alarme d'Atonner. Mais du coup, je ne comprends pas. C'est pas clair. Je suis désolé, mais c'est pas clair. Oh, mais tu es sérieux? Forcément, les monstres, ils sont toujours là, tu sais, pendant ce temps. Niquez-vous. Oh, sérieux. Super, super. Bon, ils m'ont pas fait de dégâts, pour l'instant je leur en veux pas, j'essaie de m'enfuir encore. Pardon, tu as affaibli Ekila là? Ah ouais, tu te protèges ensuite. Ah ouais, ouais. Ah, c'est comme ça, bah en fait moi je vais m'en aller. Hein. Non, je vais pas essayer de me taper. Hein. Un peu la flamme. Voilà, quelque chose brille dans les débris. C'est une larme d'atonnerre. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un évac, quitter ce donjon et refaire tout l'autre donjon. Ouh, j'ai failli me faire attaquer. C'est quand même dingue, ça. Donc là, faut se retaper tout le donjon, hein, parce que c'est... Voilà, on aime bien le jeu. Un plaisir. Donc on va éviter de se manger tous les monstres cette fois-ci. Ce serait cool. Ce serait une bonne chose pour tout le monde. Ah là là. Quelle histoire. Hein. Serena, Tonnerre, tout ça. C'est pas très clair, je trouve, quand même. Il y a des trucs... pas 100%... Oh, je passe pas. C'est honteux. Ah ouais, non, mais j'ai la flemme de me battre, là. J'ai la flemme de me battre. Je vais juste monter en haut de la tour. Mais bien évidemment, on va faire un petit soigner tous avant. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai envie de me soigner, hein, écoutez. Donc, tac, donner l'alarme d'Atonner à Atonner, bien sûr. Tiens, je te rends ton sel. Parce que les larmes, c'est salé. Mmh. Atonner, tu es réveillé? Des mortels? Pourquoi y a-t-il des humains ici? Je rêvais, c'était un mortel qui l'a tué. Grrr, qu'ils soient tous maudits. Grrr, partez, je ne veux rien avoir à faire avec les mortels, je les déteste tous. Mais Atonner, tu dois m'écouter. Ce mortel est... Voilà. Non. Non, non. C'est faux, je ne t'écouterai pas. Hein, donc voilà, on va se taper contre Atonner. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas déjà les ténèbres, logiquement?
Il me semble que c'est les ténèbres qui n'aiment pas. Oh, je me souviens plus. Bon. Logiquement, c'est les ténèbres qui n'aiment pas. Donc. On va faire. Oh, plus bénéfique, ça peut être. Non, on va faire brise casque tout simplement, on va bourriner. Hein. On n'a pas peur contre lui. Si, moi j'ai un peu peur, j'avoue. Ouais, il va attaquer avant en fait. Ah, je sais pas si je peux tanker 2 tours, parce qu'il attaque 3 fois par tour quand même. Ah, ça me semble chaud quand même. tiens, j'ai envie de m'amuser à faire un giga gâche. Non, inutile. Toi-même. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. 86 sur Mizora, il est quand même violent. Ah, il tape que 2 fois. D'accord. Je pensais qu'il tapait 3 fois. Ah non, c'est Tyrannamor qui tape 3 fois. Et lui, que 2 fois. Ok. Voyons voir les dégâts. Ouais, ça semble être ténèbres, hein, ce qu'il aime pas. C'est clairement ça. Casque. Multi-soin. Attaque du faucon. Je vais baisser sa défense ou pas? Je crois pas. Hein. Ouh, ça va faire mal ça. Faut pas qu'il tape Mizora. Oh mon dieu. Mon dieu. C'est... Ouais. Pas facile. Hein. Toujours pas de défense qui baisse. Bah écoutez, on va faire... plus de douleur. Ok. Putain, toujours sur Mizora. Hein. Voilà, les rageux qui disent que c'est nul la plus de douleur et tout, enfin les trucs du style comme multi-coup ou plus de douleur, regardez les dégâts que je fais, alors que c'est un ranger. Ce serait bien que je baisse la défense, non, toujours pas, ok. Merde. Bon, Tyrannamor était beaucoup plus dur, hein. Parce que là clairement, ce boss ne me fait pas peur du tout, hein. Il tape que 2 fois par tour. En fait, s'il tapait 3 par tour, ça aurait été intéressant. Mais là, il tape que 2 fois. C'est bizarre, il aurait pu taper 3 fois, hein, parce qu'il est après Tyrannomor, logiquement. Ah, il a esquivé un coup. Ah, ça y est, je baisse la défense. Bon, je pense que je vais le tuer à ce tour-ci, du coup. Je pense que je le tue là-dessus. Hein. Non, non, il a des PV quand même. Ah, ça y est, il change un peu. Il fait un peu plus de dégâts là. Ah, il était vénère contre qui là? Je sais pas. En tout cas, il est vaincu. Voilà, c'était pas très dur. Pourtant, je suis que niveau 42. Hein. Enfin bon, voilà. Niveau 43 pour Mizora, même si elle est morte. Contre. Merde. Contre Grévanescent tout à l'heure. Alors, il me laisse une écaille de dragon. Pas ouf comme drop, mais voilà. Ainsi donc, vous êtes Silver. J'ai entendu parler de vous, je vous ai souvent vu dans mes rêves. Je suis désolé de vous avoir attaqué, je n'étais plus moi-même. J'ai fait un rêve, j'ai arrêté de faire les grimes là, hein, c'est un peu chiant. Un rêve qui remonte à 3 siècles. Une jeune mortelle était à la recherche d'une lame de tonnerre, mais à la fin, elle mourait dans le palais de l'enfer. Ok. À un moment, elle est sortie de mon rêve et a fait apparition dans notre monde, vous la connaissez. Ok. Pendant des années, je m'en suis voulu de ne pas avoir pu sauver Serena et son amie Ellie. Mais la nuit où les étoiles sont montées au ciel, j'ai su qu'ils étaient sauvés l'un et l'autre. Et c'est vous qui les avez sauvés. Voici pour vous remercier, je comptais vous le donner si jamais je vous rencontrais.
Voilà. Lui, il a Dorichalk dans son nid, là. Tranquille. Je vous surveillerai du haut de ma tour. Je garderai un œil sur vous à jamais. Voilà. Eh ben, ce fut les quêtes d'aujourd'hui. Quand on les a presque toutes faites, hein, les quêtes histoires. Il va falloir qu'on augmente un peu nos niveaux quoi, pour faire les deux dernières. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Hein. On est à pile. Ok, on est presque à 62 heures de jeu, donc voilà. Donc voilà, on a bien fini niveau quête histoire. La prochaine fois, je commencerai les quêtes Wi-Fi non histoire. Et je vais sûrement XP aussi. Voilà. On va sûrement faire des antres. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais une petite sauvegarde. Tac. Ici. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, hein, comme d'habitude. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.